n'a pas salué la presse parlée, écrite et télévisée en ligne qui honore de présence dans la conférence ce matin. Non, Pam, c'est Arnel Rémy, moi c'est avocat en bas au Port-au-Prince, moi c'est porte-parole collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme cadeau, moi c'est professeur université et en même temps moi c'est avocat de la famille du Châtelier. Et normalement, conférence de presse matin, c'est pour aborder trois points. Premier point, c'est dénoncer l'existence en gang, en mafia de la terre qui est au niveau Delma 33 qui a accaparé propriété moun, notamment propriété famille du Châtelier. Et deuxièmement, nous venons là, c'est pour afficher publiquement solidarité à docteur qui victime de brutalité policière pendant que nous connaissons yo te victime de gon collègue qui était victime d'enlèvement suivi de séquestration. Et pour finir, on a parlé de insécurité notamment de avec force N105 et puis maître Maurice Noël qui pral exhiber qui pral parler de menaces que l'a subi, de menaces de mort que l'a subi de la part d'individus non identifiés qui malheureusement mettaient la ville en danger. Premier point, c'est dossier famille du Châtelier. N'a point nan même là un document. Document, c'est tout acte de procédure que famille du Châtelier en fait dans cadre on procès qui a commencé depuis 1996 sur un terrain qui Delma 33. Alors on pas aimé faire ça, parler de dossier dans la presse, mais malheureusement m'obligé faire ça parce que la situation est grave. Vim en danger, vie famille du Châtelier en danger, et pour l'instant, quand je parle à voilà, il y a des policiers, il y a des patrouilles policières qui affectent à Mounsayo qui marchent pour le monde qui envahit le terrain. Alors, nous-mêmes, nous venons là, c'est pour nous dire que nous ne sommes pas capables encore comme avocats parce que nous ne sommes pas armés. Nous n'avons pas de personnes travaillant à notre solde. Nous ne pouvons pas porter gros âmes qui sacent poche nous, qui sacent. Boussole nous, c'est la loi. La famille du Châtelier possède cette propriété depuis bien longtemps. Et yo héritière de Simone Barthe. 54 centièmes de terre qui n'a Dolux confort dans Delma 33. Mais gros équipe bon individu qui gagne au service des juges, des parquetiers, des commissaires qui a fait des faux papiers, qui pral faire des interventions sur propriété. Et nous-mêmes, nous obligés de prendre la presse pour nous dire, Premier ministre, là, pour nous dire, Président Jovenel Moïse, la Constitution lui donne cette prérogative au fin de protéger le droit à la propriété privée. Il n'est pas possible pour en 2020, pour nous nous faire ville, la travail pour tel, pour nous nous faire ville, la semble l'argent, il fait procès. Li gagne procès a yo réinstallé sous propriété et pour gagne des individus qui gagne en tête un certain Dol André qui sac pidjou mes amis. Dol André est accompagné de 3 policiers. Ça veut dire on nèg k marche à caparer tè moun nan Delma qui gagne au service li 3 policiers bin et moi m'a blancé mise en garde là. Moi même comme avocat me respecter le droit à la présomption d'innocence. C'est ça que fait pas citer nous dans la presse. Je vous donne 24 heures. Policier Bimio, commissaire Enzofeu, vous qui commandez la brigade d'intervention motorisée, mandez policier Sao, retirez corps dans Sao là. Nous connaissons dans dossier ça. Bon ministre qui dans dossier ça. Nous connaissons dans dossier ça. Bon directeur général qui dans dossier ça. Terrain ça pas perdu. Et moi-même, je mette la population en alerte. Tout le monde d'Elma 33, tout le monde qui n'a Dolix Confort, qui compte propriété, la famille du Châtelier, portez-nous secours parce que c'est mon azam qui envahit rien. Et nous-mêmes, comme avocats, malgré tout ça, nous voyons que le commissaire au sein du parquet est en train de commettre un désordre. Liban, soit disant, soit transmis.
pour aller exécuter propriété moun yo. Là nous même comme avocat n'a garde soit transmis ça. Nous mande commissaire compte si deux propriété moun nan. Commissaire tremblé jusqu'à besoin pas la voilà pas capable titre là. Gon juge de paix qu'al faut exécution, il a été induit en erreur. Juge de paix dit mettre mi moi tirer comme parce que moi c'est pas des autres qu'a fait. Gon deuxième juge de paix. Il prend papier que premier juge dans l'exécuter l'exécuter client yo. Là l'exécuter moun. Et nous même n'a dit que président nous connaît que conseil dit se protéger droit à la propriété privée. Nous dit propriété famille du Châtelier pas perdu dans Delma 33. Et si directeur général a pas retiré quoi dans dossier ça. Si ministre là pas retiré quoi dans dossier ça. Si juge de paix, policier, bien nous tous. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour nous publier nous avec photo nous si nous pas voulez. Nous ban mise en garde là. La guerre avait si pas tué Kokobe. Nous même comme avocat nous pas dans violence. Nous sommes obligés de faire appel, d'appeler au secours les gens de la presse pour dire ce qui se passe en Haïti. A fait tant mon en Haïti by vagabondage net. Et nous même comme avocat nous n'allons pas baisser les bras. M'a recevoir menace. Maurice a recevoir menace. Et mettre a recevoir menace. Nous même comme avocat nous laver la vie nous entre les mains des dirigeants. Entre les mains de ceux qui ont le droit de protéger la vie et les biens des citoyens. Deuxième point, c'est question insécurité. Question côté que, en moins qu'une semaine, il y a 10 cas de kidnapping. Franchement, j'en ai ras-le-bol. Matin, un membre de ma famille, pendant qu'il se rendait au travail, l'on y croit pick-up. Tété, il pipi sous lui. Parce que pick-up la kopi bo pil. Est-ce que nous ka accepté que moun ap mouri grain pa grain? Est-ce que nous ka accepté docteur Hans Telemac, c'est un ami que j'ai connu. Nous fûmes à Saint-Louis de Gonzague ensemble. Nous fûmes à la chorale ensemble. Nous chantons la même chorale. L'on a obtenu un jeune docteur qu'on s'est kidnappé et bien demandé tout comme ça. Ça soulève la colère, le ras-le-bol, la frustration, l'amertume de la part des citoyens haïtiens. Est-ce que nous-mêmes, comme citoyens, n'avons pas accepté que nous fûmes mourir green par green? J'ai pu constater le dépassement de la situation dans les discours du Premier ministre. Le Premier ministre, on va le tellement dépasser, il dit chaque monde peut être tête. Eh bien, n'est-ce qu'il s'en arrive là? Sommes-nous dans une hécatombe? Sommes-nous face à l'impuissance de nos dirigeants? Nous-mêmes, la presse, nous exposons tout. Avocat exposé, docteur exposé, médecin exposé, machin exposé. Bon, on a touché 10 000 gouttes par mois, on a demandé le monde. Mais soit dit le cougnat là, tu es tête li. Et finalement, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, l'OPLC, le RNPPC, nous unis voix nous pour nous dire, dirigeants, pour nous dire, peuple haïtien, levez campé, grève. Nous te dit déjà la semaine dernière, nous sentis qu'on laxiste. On ne peut pas accepter le laxisme des dirigeants politiques. On ne peut pas. Nous allons mourir. Et chaque jour son tweet, nous regrettons, nous condamnons. Chaque jour son tweet. Il faut que peuple haïtien, machin, campé, chauffeur campé, docteur campé, greffier, avocat, pas le travail, campé. Pour nous dire Jovenel Moïse, nous ne pas capables encore avec insécurité ça. Et troisième point, je pense que M. Maurice parle pour le soin pour parler de situation de sécurité parce que ville en danger, vie mettre Kessna en danger. Et non pays côté a poné état de droit, côté que citoyens pas sécurisé. Maintenant, nous venons arriver en côté nous remettre la vie nous, par les dirigeants pays. Dans le cadre de ce dossier, dans le cadre du dossier de la famille du Châtelier, je le réitère comme avocat. Arnel Rémy, avocat de la famille du Châtelier. Je donne cette mise en garde au ministre de la Justice. Je donne cette mise en garde aux autorités pour nous dire que, écoutez, le droit à la propriété est garanti par la Constitution. Si malheureux, un journaliste, imaginez aux journalistes, nous fait 10 ans, nous fait 5 ans, nous fait 500e terre, puis pour nous garder un vagabond pendant 48 heures, avec des faux papiers, avec la complicité des auxiliaires de la justice. Maurice. Réseau national des plaignants Petro-Caribé a remercié la presse en général, presse parlée, écrite, télévisée, en ligne. Nous disons merci pour la présence ce matin.
Objectif conférence là, comme Metanel Sodil, c'est des menaces de mort qu'il n'a recevoir. Nous avons serré des délinquants voyous. Nous serré des sans maman. Mais menace ça, c'est par la suite, il y a une menace verbale. Juge Ramoncit Aksime, tout le monde connaît, c'est tout Jovenel Moïse lié. C'est lui-même qui était dans le dossier Petro-Caribé. Le 23 octobre 2020, c'est un vendredi, je joins Ramoncit dans le parage Parker. Il dit, c'est pas Maurice Noël. Il dit, mais il qu'on aime bien. Il dit, tu dois prendre un homme dans toute radio, dans toute télévision. Il dit, gardez, fais respect. Tu n'as pas qu'à l'autre monde qui est là, dans la salle là. Il dit, si on ne pas faire respect, la mal pour. À la vérité, il y a deux policiers ensemble avec elle. Les policiers pas dit ni A ni B. C'est Ramoncit qui a mis elle pour faire des menaces. 8 jours après, menace à eux, nous avons un paquet d'individus qui ont pris le téléphone, qui ont dit, oh, espère, ferme le jour, moi, dans le dossier Petro-Caribé, ça, m'apprécie voir plusieurs cartouches. Mais c'est toujours appel anonyme, c'est toujours appel privé. Et, on l'a appelé, venir recevoir, on m'a dit, mettez-le, nous avons un dossier pour ta faire pour moi, qui côtoyer. Nous dit qui sont besoin, qui dossier lié. Il dit non, c'est web pour me expliquer le dossier. Qui côté m'a dit nous? Est-ce que m'a dit nous dans la RNDDH? Je fais mes téléphones là. Maintenant, je viens de recevoir n'importe 5 appels anonymes qui font beaucoup de menaces. Et moi-même, je t'ai contacté. Maître André Michel, qui c'est avocat Brézoa, Maître Maisonneuve aussi, et je te dis que c'est Ramon Cité Mounfou, pas occupé. Même si on a 4 travail pour pouvoir, 4 travail pour Michel Matéli, 4 travail pour Wilson Lalo, Jovenel Moïse non impliqué 69 points dans le dossier, peut-être qu'il n'y a pas de Mounfou. Et là, à marcher dans la machine de pour la journée, il a tiré le bâton. Maintenant, je dénonce à toute dernière guerre. Je mets la responsabilité, la vie, la vie famille, sous Jovenel Moïse. Ramoncit Taximé, tout le monde connaît. C'est un tueur pouvoir. 2 ans passés, Ramoncit pas fait rien. Il n'a pas arrêté un monde dans le dossier Petro-Caribé. Quelle catastrophe! Et puis, quand on a fait des menaces, moi-même, je lance un appel à toute population droits humains pour que yo assume responsabilité. C'est trop blessé aller Jovenel Joine, Ramoncit Joine. Oh, Ramoncit mandat fini. Président CSPJ, président la Cour cassation a fait tout ça qu'on connaît pour yo renouveler mandat Ramoncit dans tête dossier Petro-Caribé. Et nous-mêmes, nous couchons quoi et nous dit tout volé qui casse bois peuple haïtien qui volait 4,2 milliards de dollars, il y a vomi cobla. Il dit que nous créons la vie ou la mort. Il dit que si Jovenel Moïse dans tête pays a toujours c'est grâce avec volet international yo. Et nous même nous créons aujourd'hui nous ferme sous position nous et nous était quoi Jovenel Moïse. Ou tuer moun, n'attend nous dans cafou tintin. Et me croit que l'est presque arrivé. Jouvin, jouvin. Ou à payer ça. Merci beaucoup, Maître Maurice Noël, coordonnateur général réseau national des plaignants Petro-Caribé. Merci. Force N157, force des organisations pour la stabilité nationale. Force N157, force des organisations pour la stabilité nationale. Qui regroupe dans Saint-Louis plus passé 157 organisations politiques avec organisation communauté de base. Tant coup, G57, organisation politique mes contrées, MEP, réseau national des plaignants Petro-Caribé, SKL, CADO, Code 15 Haïti, Code 15 Canara, Soleil Réveillé,
Force Solino, Force Delma, Force Belay, Force Grandance, Force Grand Ravine, Force Canapé Vert, pour ne citer ça ou seulement. Nous venons expliquer tout le pays que les peuples haïtiens prennent un complot qui est là dans 3 G9. Premièrement, nous gagnons G9 Kogou, qui gagne 9 membres là-dedans. 6 ambassadeurs avec 3 représentants d'organisation. Tant que ambassadeur l'Allemagne, Brésil, Canada, Espace, la France, États-Unis, avec organisation internationale. Tant que représentant ONU, représentant Union Européenne, avec représentant OEA. Nous disons tout pays là. Que Haïti pas membre de groupe. Haïti c'est membre l'ONU, Haïti c'est membre CARICOM, Haïti c'est membre État américain OEA. Nous dit comme ça, 9 membres ça yo dans deuxième partie 9 membres là, c'est un 9 membres qui gagne G9 en famille et alliés. Qui gagne là dans 9 membres. Premièrement, la présidence, la primatie, ministre intérieur, ministre défense là. Ministre justice là, ministre finance là, secrétaire d'état sécurité publique là, direction générale police nationale là, avec président fédération des gangs assassins à kidnappés. Il y a un troisième Genève qui c'est Genève électoral, ça peuple a relé comme créé là. Et bien finalité 3 Genève ça yo, premièrement qu'on groupe c'est pour forcer monde faire élection. Genève électoral là, li la pour organiser cette massacre là. Et puis Genève en famille alliée pour assassiner peuple là. Et bien c'est ça que fait. N'a félicité représentant OEA avec CARICOM là, et spécialement ambassadeur Ronald Sanders qui dit que président Jovenel Moïse a violé constitution haïtienne là. Et bien pour toute raison ça yo, nous dit comme ça, n'a pas applaudi l'église, société civile là, la jeunesse, parti politique yo, organisation communauté de base yo, qui dit yo va pas dans l'élection qui va le faire dans Bourara ça. Et n'a profité pour dire yo pour finir. La ouze taillé banda tout temps soleil pour qu'on lever. Vivions Haïti, vivions transition inclusive, abat tout impérialisme. Merci. Maître Saint-Louis Kesnay Joseph, Force N 157.